Il est 10h à Moscou, le carillon de l'horloge du Kremlin résonne sur la place Rouge. Le défilé militaire s'élance pour célébrer la victoire des Russes sur les nazis en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber au monde entier la force de frappe militaire de la Russie. Pourtant, dans son discours très attendu, pas de démonstration de force. Le président russe s'est adressé à ses compatriotes et à ses troupes, bien plus qu'à la communauté internationale. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Vous défendez ce pourquoi vos grands-pères se sont battus, pour les valeurs principales de notre pays, la loyauté et l'unité. Pour justifier le conflit en Ukraine, Vladimir Poutine se positionne en tant que défenseur de sa patrie. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre, ce qui veut dire qu'en réalité, ils avaient des projets bien différents. Ils ont préparé une nouvelle opération d'invasion dans le Donbass, y compris la Crimée. Et cela est une menace absolument inacceptable pour notre pays. Cette attaque était imminente et la Russie n'a pas eu le choix que de répliquer. Hurra ! Hurra ! Le mot du courage face à l'ennemi résonne comme chaque jour de la victoire à Moscou. Sous le drapeau soviétique, 11 000 hommes et près de 130 véhicules militaires défilent. C'est 35% d'effectifs en moins par rapport à l'an passé. Alors la deuxième armée mondiale a sorti l'artillerie lourde, comme cet immense missile intercontinental de 23 mètres. Une démonstration de force qui aurait aussi dû être aérienne. 77 avions et notamment l'Ilyushin 80, un engin pouvant résister aux attaques nucléaires, devaient survoler la grande parade. Mais finalement, le défilé aérien n'a pas eu lieu. Vladimir Poutine s'est ensuite recueilli sur la tombe du soldat inconnu, symbole de tous les hommes morts au combat durant la Seconde Guerre mondiale.